Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera un achat Vinted avec un colis d'un seul vendeur que j'ai pu avoir pour un bon prix, franchement, dans les 40 euros avec les frais de port. On a 8 jeux à l'intérieur, donc voilà, des petits jeux, hein, il n'y a pas de trucs exceptionnels, mais c'est des petits jeux pas très communs que on a vu, enfin que moi personnellement j'ai vu très rarement. Donc voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. On va commencer avec du DS, avec le premier. Le Hurry Up Hedgehog, donc jamais vu celui-là, la jaquette m'a vraiment bien tenté. En fait, c'est un jeu avec plein de mini-jeux à l'intérieur, de 32 mini-jeux exactement. Donc, faire la course, ramper, il y a plusieurs trucs. Donc voilà, un petit jeu. Le style graphique avec ses petits hérissons, le design me dit quelque chose. J'ai l'impression que ça vient d'un dessin animé, mais je suis pas certain. Donc voilà, je sais pas du tout, j'en sais pas plus. Il était complet, en très bon état. Pas de soucis spécial, donc voilà, franchement ça complète la collection, ça peut être sympa pour les petits jeux DS, toujours un peu rigolo ce genre de titre. Ensuite, ça aussi j'ai l'impression que ça vient d'un dessin animé, mais je suis pas certain, c'est peut-être un dessin animé étranger, donc je sais pas, vous me direz si vous connaissez, le Digata les défenseurs. Donc ça j'ai l'impression que c'est un jeu de dés, un petit peu comme avec un échiquier. Un peu comme les Yu-Gi-Oh! Duel du monstre DD. J'ai l'impression que c'est plus dans ce style-là. Voilà, en très bon état. Ça aussi, c'était vraiment pour la découverte. Un petit truc qui me bottait bien. À voir un petit peu ce que ça donne. Le Digata, les défenseurs. Si vous le connaissez, n'hésitez pas. J'ai l'impression que ça vient d'un dessin animé, mais je ne suis pas sûr. Ensuite, un jeu neuf. Donc là, je l'ai pris, c'était pour compléter, hein. C'est le Brain Assist, donc aussi je me suis dit tiens c'est un jeu Sega, ça peut être sympa. Donc comme son nom l'indique, Brain Assist c'est tout simplement un jeu d'entraînement cérébral, un peu comme les Dr. Kawashima, ce genre de choses. Donc là on a 10 exercices qui vont permettre de muscler un peu son cerveau et c'est voilà, faire des exercices assez régulièrement. Fatigué et surmené, votre cerveau tourne au ralenti, n'attendez plus, choisissez Brain Assist. Voilà. Donc le blister a un petit peu morflé sur le devant. Alors je pense que je l'ouvrirai à l'occasion. Voilà, en tout cas la jaquette est très sympathique. C'est pas un jeu que j'ai vu très régulièrement non plus celui-ci. Donc voilà, franchement très content. C'est une version française intégrale. A voir si la qualité des mini-jeux d'entraînement cérébral est aussi bien qu'un Dr. Kawashima ou pas. Donc voilà, si vous connaissez, dites-moi aussi dans les commentaires. Ensuite, un jeu 3DS, donc un platformer. Vraiment très content celui-ci, je pense que c'est vraiment un jeu qui va me plaire. Les Lapins Crétins 3D, donc comme son nom l'indique, ça utilise la 3D de la 3DS. Un platformer avec les Lapins Crétins à travers le temps, donc voilà, ça peut être vraiment sympa. Donc on a un mode histoire, challenge, course contre la montre, etc. 60 niveaux à travers 4 grandes époques. Voilà, ça peut être aussi très sympathique celui-ci. Lapins Crétins, moi j'aime bien, hein. Franchement, tout ce qu'ils avaient fait sur la Wii. Avec tous les mini-jeux et tout ça, c'était vraiment très sympa. Même contre le Rayman, contre les Lapins Crétins, c'était très cool. Donc voilà, à voir, fait par Ubisoft. Je pense que c'est quand même un bon petit jeu. Ensuite, il avait un jeu Game Boy, une compilation, donc j'essaie de me choper quand même pas mal de jeux Game Boy. J'aime bien aussi le format des petites compilations, ça prend déjà moins de place, et puis je sais pas, je trouve le style assez sympa. Donc là, c'est le 2 Game in 1 avec le Kulum Squaw et le Chouchou Rocket. Alors le Kulums, je l'avais joué, peut-être pas cette version-là, mais les premières versions, c'était dans le Sega Mega Drive Classic Collection sur PS4. J'ai trouvé ça vraiment sympa, donc c'est tout simplement des petits casse-briques, hein. Donc voilà, à base de princesses, etc. Donc ça, c'était plutôt pas mal, en tout cas le Kulums de base, à voir celui-ci qui est peut-être un petit peu plus coloré. Et le Chouchou Rocket, donc ça, c'était un jeu qui était sorti sur... non, pas Saturn, sur... je ne sais plus, c'était sorti sur Sega en tout cas. Voilà, Chouchou Rockets, conduis tes souris dans les fusées, ne laisse pas les horribles chats de l'espace monter à bord. Voilà, un petit jeu aussi de casse-tête, un petit peu plus comme un Pac-Man. Voilà. Franchement, je suis très content de cette petite collection. Donc la boîte est en bon état, un tout petit peu décolorée sur le devant, c'est vraiment léger. Sinon, les coins, tout ça, c'est quand même pas mal. Il y a la notice à l'intérieur. Donc voilà. Voilà, c'était sur Dreamcast. Ça vient de me revenir. Le Chouchou Rocket. Donc voilà.
Franchement, très sympathique. Ça fait un collection de plus pour. Un objet de plus pour la collection Game Boy, pardon. Ensuite, un jeu PS1. Donc là, je suis un peu déçu parce que c'était pas précisé dans l'annonce. Il s'agit du Quake 2. En fait, comme vous voyez devant, il n'y a pas la jaquette avant. Il y a juste la notice. Mais pas de jaquette avant. Ça, c'est un peu con. En plus, la boîte est un peu cassée. On serait à la limite. Les jeux PS1, attention. Hein. Faut pas rêver. Franchement, très content quand même. Même si c'était pas précisé, je l'ai vraiment pas eu pour cher. Donc voilà, c'est pas grave. Donc Quake 2, moi j'ai joué aucun des Quake, c'est un peu dans le style de Duke Nukem, donc c'est plus des jeux qui me tentent, FPS, alors que je suis pas trop FPS, mais moi Duke Nukem j'adore. Je sais qu'il y a un peu moins d'humour dans les Quake, mais ça peut être vraiment sympa, c'est fait par ID Software je pense, si je dis pas de conneries. Ouais, ID Software. Donc voilà, très content, franchement ça complète un peu la PS1, où on trouve quand même assez difficilement des jeux à bon prix. Donc voilà, malgré qu'il n'y a pas la jaquette avant, tant pis. Voilà. Petite jaquette en tout cas très sympa. À l'époque 249 francs. Donc voilà, c'est assez... J'aime bien les petites étiquettes comme ça d'époque qui nous disent combien ça coûtait à sa sortie. Ensuite, on va enchaîner avec les deux derniers jeux, avec un jeu Wii. Ça aussi, c'est issu d'un dessin animé. C'est le Igor, le jeu. Donc c'est fait par Deep Silver, donc quand même un gage de qualité. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un platformer en 3D celui-ci. Où on est avec ses trois acolytes, je sais plus comment ils s'appellent, et on doit protéger le royaume. Je sais plus comment ils s'appellent. Ah bah c'est marqué. Scamper, Brent et Eva. Donc voilà. Petit platformer, je sais pas spécialement ce que ça peut donner. En tout cas, ça m'a l'air très sympathique. La jaquette est très cool, le disque aussi. Donc voilà. Les petits platformers, bon, en général, c'est des trucs que je prends assez facilement. Je trouve ça très sympa. Et le dernier, ça aussi ça m'a fait un petit peu marrer, donc je me suis dit tiens je vais le rajouter au lot. Il s'agit d'un jeu PS2, c'est le Celebrity Deathmatch. Donc en fait c'est des combats style un peu catch avec des célébrités. Donc à l'intérieur on a Mr. T, Anna Nicole Smith, Marilyn Manson, Buster Rhymes, Carrot Top, je connais pas, Carrot Top ça me dit rien, Denis Rodman, Tommy Lee. Et voilà, je pense qu'il y en a d'autres parce qu'il disait qu'il y avait une douzaine ou une quinzaine de starlets. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est clairement arcade, c'est clairement pour se rendre la gueule. À base de mecs qui sont carrément dépassés, voilà, c'est fait par MTV. C'est le MTV Celebrity Deathmatch exactement. Donc voilà, ça vous dit un peu le niveau. Donc, voilà, ça peut être vraiment cool. Jouable à deux joueurs, donc c'est aussi très sympa. On verra un peu ce que ça donne. Ça pour une soirée, je pense que ça peut vraiment être sympa. Il y a sorti aussi les Dev Jam qui étaient sortis sur PS3. Il y en avait aussi sur PS2 qui était pas mal foutu. Donc voilà. Donc je trouve que c'est quand même un bon prix. Donc une quarantaine d'euros avec les ports. Voilà, franchement, j'étais content de me faire ce petit lot. Regardez souvent sur Vinted, souvent des petites offres qui traînent comme ça. Donc voilà, ça complète un petit peu la collection. J'espère que la vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine, allez salut !